Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers abonnés de ma page Facebook Remingonon, vous avez dû constater que nous avons quelques petits problèmes parce qu'en même temps, je vous ai dit qu'il y aura beaucoup d'événements aujourd'hui et j'ai été sollicité à N reprises. Et là, une fois de plus, je suis dans le véhicule parce que je repars sur Ubiz News par rapport à l'événement à Mobé, Mévégué, qui va donc s'éteindre parce que aujourd'hui c'est le dernier jour et j'ai été appelé de toute urgence. Raison pour laquelle vous ne pouvez donc pas être directement en contact avec tous les dossiers du samedi soir que je vous promets, bien évidemment, aujourd'hui à une certaine heure. Sachant que je serai également aussi au Zénith. Nous sommes bel et bien actuellement à Paris et je suis en train de rouler parce que je suis obligé d'assumer plusieurs rôles à la fois. Mesdames et messieurs, j'espère au moins que pour aujourd'hui, vous connaissez que le grand événement, c'est avec Valsero et qu'on vous y attendra et que moi-même j'y serai. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, je suis appelé à d'autres missions, à d'autres fonctions, mais concernant le dossier du samedi soir, vous aurez bien sûr après le Zénith, ceux qui sont abonnés sur la chaîne YouTube et ceux qui resteront sur ma page auront bel et bien le compte rendu de tout ce que j'ai pu élaborer, concocter pour vous par rapport au programme hebdomadaire. Dans ce programme hebdomadaire, nous parlerons des malheurs qui arrivent actuellement au Cameroun et particulièrement dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest où encore une fois aujourd'hui il y a eu des soldats qui appelés en renfort ont fait un grave accident de circulation et dont l'état de santé est préoccupant. Nous allons donc parler de cette situation qui prévaut au nord-ouest, de ce qui risque d'arriver dans les régions francophone, je vais vous donner, je vais vous faire certaines révélations dans les dossiers noirs du samedi soir. Et bien sûr aussi dans les dossiers noirs du samedi soir, nous parlerons de l'évacuation du roi Bombondioya et nous allons évoquer les contours, ses relations avec Paul Biya, également parce que j'ai reçu beaucoup de messages venant de la communauté Bamoun, contestant et voulant me dire qu'il ne fallait pas critiquer le roi. J'aurai donc une réponse claire, nette, précise à ceux-là qui m'ont appelé parce que je me dois de garder ma liberté d'expression. Également aussi, dans les dossiers noirs du samedi soir, j'ai fait un tour pour ouvrir une page où je vais faire un tour pour ouvrir une page pour Serge Espoir Matomba qui représentait un grand espoir pour le Cameroun mais qui aujourd'hui plonge la communauté dans le désespoir. La jeunesse, parce que non seulement il n'est pas honnête dans sa façon de faire, mais aussi il est de ceux-là qui sont en train de réduire en esclavage certains de leurs collaborateurs. Entre escroquerie, Femania, entre ses parcours au niveau non seulement de la Guinée-Bissau, ou encore de ses aventures au niveau du Portugal, de ses changements de nom et aussi de ses multiples escroqueries, nous allons essayer de parler de cela pendant les dossiers noirs du samedi soir. Les dossiers noirs du samedi soir, un peu décalés, événement oblige, parce que nous sommes aussi le média de l'immédiat et parce que particulièrement je suis sollicité pour rendre des services, pour assumer mes fonctions et surtout pour honorer la mémoire d'Amobe Mévégué. J'étais déjà là, je suis obligé de repartir pour régler certaines dernières choses, tout en vous promettant que je serai au Zénith et tout en vous promettant que les dossiers noirs seront hyper choc. Pour l'instant, vous pouvez le constater, nous sommes à Paris, ici, c'est la ville où, bien évidemment, nous sommes venus nous réfugier. Ce n'est pas notre pays. Notre pays, c'est le Cameroun. Mais si nous sommes ici, regardez parfois quand on gueule, quand on dit que nous critiquons,
Voilà par exemple une route, on appelle ça le périphérique, où vous pouvez voir comment est-ce que les voitures passent. Quand je sais que chez moi, à Douala, chaque jour, il y a des accidents de circulation. Lorsque je sais que chez moi, ce qu'on appelle l'axe lourd, que c'est à peine des voitures qui se télescopent face à face, regardez, rien que pour rouler comme ça, nous sommes sur 4 lignes et de l'autre côté, 4 lignes. Mais qu'avons-nous fait pour ne pas pouvoir construire ne serait-ce qu'une autoroute? Que sommes-nous alors que nous avons les matières premières? La France n'en dispose pas. La France ne peut pas être plus riche que le Cameroun. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que ce sont nos dirigeants qui enrichissent, bien évidemment, les Européens, qui enrichissent les anciennes colonies, parce qu'ils sont là comme les sous-préfets qui sont stationnés sur des comptoirs coloniaux. Regardez donc, pourquoi est-ce que ces gens qui viennent ici, qui voient ces routes, sont incapables de venir les construire au Cameroun, en Afrique? Ils ont fait des études ici, mais ils viennent encore dans des hôpitaux ici pour se soigner. Même pas un seul hôpital. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, je vais parler de Mbombo Njoya, parce qu'il est hors de question qu'on soit un roi et qu'on ne puisse pas avoir un seul hôpital dans lequel on peut aller se soigner. Nous sommes ici parce que nous apprenons et parce que nous voulons aussi importer non seulement le savoir, mais comprendre pourquoi est-ce que nous sommes en retard par rapport à d'autres pays. Vous allez me dire que c'est la France, mais il y a des petits pays qui sont beaucoup plus développés que le Cameroun, mais pourtant qui n'ont pas les mêmes ressources. Mais qu'est-ce que ces pays font? Non, non, n'accusons pas seulement les colons, accusons aussi nos dirigeants. Mesdames et messieurs, c'était pour vous dire, juste vous faire un coucou, que je ne vous ai pas manqué. J'ai toujours dit, je me sacrifie matin, midi, soir, même si je ne suis pas payé, mais uniquement pour vous servir, parce que c'est ça mon devoir. C'est le devoir également qu'Amobe Mbeki faisait. Il n'attendait pas qu'il soit récompensé. Il n'attendait pas que le Cameroun reconnaisse quelque chose ou qu'on lui donne quelque chose. Mais il servait l'humanité. Nous pouvons servir même si nous sommes détestés, mais nous allons continuer à le faire pour l'humanité, pour la postérité et pour votre prospérité. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. Et si, bien évidemment, au niveau de Ubiz News, j'y arrive, peut-être vous présenterai-je quelques images de votre frère Amoubé, ce qu'il a pu réaliser pour le Cameroun, pour l'Afrique. Sur ce, comme je vous ai dit, bien le bonsoir à vous. Je vous salue et j'espère que les dossiers noirs du samedi soir, pour le samedi prochain, nous serons beaucoup plus encore en direct. Je serai sur ma place normale. Vous n'allez pas beaucoup patienter. Et comme je vous ai promis, ceux d'aujourd'hui, vous les aurez. Et ceux qui ne seront pas au spectacle, vous vivrez quelques moments avec Valsero, avec ceux qui auront la chance d'être dans la mythique salle du Zénith ce soir. Au revoir. À bientôt. Dans 200 mètres, continuez tout droit sur Avenue d'Italie. Nous avons trouvé un itinéraire plus rapide via boulevard Kellerman qui permet de gagner 4 minutes. Si vous préférez rester sur l'itinéraire actuel, appuyez sur non, merci. Prendre direction nord
sur avenue de la Porte d'Italie, rue Docteur Bourneville, rue...